commence, je sais jusqu'à fromage. Tenez dans son bec à fromage. Une fable de la fontaine. 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 Maître Corbeau sur un arbre perché. Les femmes de la fontaine. Tenez dans son bec un fromage. Les fables de la fontaine. Oui, des cauchemars terribles. Je rêve que je suis enfermé avec toi dans une voiture et que dehors, il y a plein d'éclairs au chocolat et qu'ils veulent veiller nous. Tu rêves de moi? Bon, ça suffit. Apprends ta table des fontaines parce qu'on a déjà perdu assez de temps. De la fontaine. Oui, si tu veux, de la fontaine. De toute façon, ça revient au même. C'est un mot compliqué comme dans la grammaire. Rez-de-chaussée, pomme de terre, sous-muet, arrière-grand-mère. Coffre-fort, bateau-mouche, pain au lait, rideau de douche. Parfaitement, exactement, mot composé tout simplement. Après-midi, simple-midi, clairement, j'y plais mon nom. Moi j'aurais quand même appelé ça fable des animaux. Parce qu'il y en a tout le temps des animaux, c'est vrai. T'as raison. Et on devrait le dire à l'auteur. Ah, l'auteur. Ce qu'il aurait fait de mieux, c'est de ne pas les écrire, ces fables. C'est à cause de lui qu'il faut les savoir. Et que tu seras peut-être privé de dessert. Vous ne savez pas vos fonds. Je leur raconterai votre comportement. Et vous serez privé de dessert. C'est normal. Peut-être même que je t'aime. Oui, c'est là. Tu m'aimes? Ah! Mais non, 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 non! Mais réfléchis! Si nous sommes mariés, nous sommes des adultes, comme les parents. Oui, mais je te connais. Toi, tu penses qu'au dessert. Alors tu voudras que je fasse la cuisine. Et moi, je ne suis pas mariée avec toi pour faire la boniche. Mais pas du tout! Je me ferai plein, plein de cadeaux! Elle devient folle! Possible. Une robe, une trottinette, un piano, des livres, une table de ping-pong, une tablette, et puis un vélo. Plein de cadeaux pour mes petites filles, plein de cadeaux. Merci maman. Ça y est, elle est folle, elle se prend pour sa maman, elle se prend pour sa mère et sa fille en même temps. Maman. Mais enfin Nina, maman. Tu vas pas commencer. Parti. Nina, tu vois bien que ça n'est pas possible. Partie à jamais. Avec moi, personne ne mourra. Et puis tu verras, je serai gentil. Tu feras la cuisine. Je ferai la cuisine. Et si je me marie pas avec toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben quand est-ce qu'on se marie? Ah ça, ben je sais pas. Faudrait peut-être qu'on en parle aux parents d'abord, non? Ah non, on leur dira après. Ça nous fait. Marions-nous d'abord, nous lui dirons après. Ah mais non, on se marie toujours devant le maire. Mais oui. C'est parce qu'on le veut bien. Eh bien voilà, on est mariés. Oh, c'est pas plus difficile que ça? Pas plus difficile que ça. Si moi je porte ton nom, faut que toi aussi tu portes le mien. Il faut que tu t'appelles Monsieur Nina. Monsieur Nina, ah non! Alors qu'est-ce que ça fait 10 euros et 48 centimes? 10 et 48!
48. Ben, 58, tu sais, avec les 10, c'est très facile. 0 et 2 font 2, 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8, 8 et 8 font 16. 10 plus 5 et 58. 10 moins 4 et 48 sont 10. 10 plus 48 et 48 sont 10. 10 plus 5 et 58. 10 plus 5 et 58. 10 moins 4 et 48 centimes. 10 plus 48 et encore 2 centimes. 10 plus 5 et 48 centimes. Ça bon. Alors je veux dire, il est parti faire des courses. Faire des courses. Oui, c'est pour les enfants. Les enfants, mais quels enfants? Qu'est-ce que ça mange à cet âge-là? C'est comme si on danse, non? Non, mais tu perds la boule. Je ne marie pas pour agiter la tête en rythme, même si c'est plus festif. Allez, hop, 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 en piste, on danse. Allez, Léo, mais un, deux, trois. Mais tu vois, c'est pas si terrible. Oh non, là, là, je me sens mal. Hein. Oh, c'est très bien. Je sens que je vais faire un malaise. Arrête, comme ça, autre chose. Ah oui, le voyage de noces. La lune de miel. Tous les deux, tout seuls. Sans monsieur Rouget Laberto. Nous sommes des adultes. Des grands, nous allons nous très allons loin. Très loin. En Italie. En Italie. En Turquie. En Turquie. Et en Australie. Et en Australie. En Sibérie. En Sibérie. En Chili. En Patagonie. C'est le prof, c'est monsieur Rouget Laberto. Oh là là, et on a rien. Oh, le dessin, le dessin. Ah, je le savais, je le savais. C'est un piège, le mariage. D'abord, on dit oui et c'est le début de la fin. Oh, dis-tu le nouveau. Alors, connaissez-vous la fable? Oui, oui, bientôt. Encore 2 minutes. Ça fait une heure qu'on dit que c'est une fable. Mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Mais qu'est-ce qu'on... Attends. Il nous a bien demandé une fable complète. Oui, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une fable. Mais que... Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon que ce soit une bonne nouvelle. Mais si, une fable, ce n'est pas deux. Une fable, ce n'est pas deux. Regarde, tu te mets là, en face de Rouget Laberto. Et moi, d'ici, je te souffle la fable en te faisant des signes. Tout dépend de celui qui l'écoute. Oh, 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 o